Bonjour, bonsoir cher Bonny, je suis Bonny Victor. Aujourd'hui, je vais vous parler un peu de ce que je fais. Rappelez-vous, sur ma chaîne ici, vous avez vu des vidéos ici où je montrais comment former les lettres et comment les découper aussi. Rappelez-vous, et parfois même vous voyez ici des vidéos comment écrire les chiffres, le numéro 10, ainsi de suite comme ça, 10, 8, 7, vous voyez. Maintenant, voilà comment on peut appliquer. Maintenant, je suis en plein exercice comme ça. Je suis en train de travailler. Vous voyez, c'est le numéro 30 qui est là, non? Et ça, c'est les panneaux de signalisation. Et ça, c'est les sociétés qui nous confient souvent ces travaux pareils là. Et vous-même, vous voyez, c'est comme ça. J'applique et une fois après avoir écrit, c'est de juste découper et appliquer maintenant avec la peinture. Donc très simple. Et vous-même regardez, une fois après avoir appliqué maintenant avec la peinture, voilà les résultats que ça donne. Et donc tu vois, et ça c'est les panneaux de signalisation, ça c'est pour les sociétés. Ça c'est ici dans notre pays. Et vous voyez ça, ça aussi c'est des contrats de forage, de décoration de suite de forage. Ça, les forages là, c'est une société qui a offert ça aux villageois ici dans notre pays. Donc nous sommes quittés en ville pour aller faire ces forages là dans les villages. C'est notre véhicule qui était garé là-bas comme ça. Et donc, vous voyez, ça c'est des contrats de déplacement. Bon, vous voyez, même tout ceci là, vous voyez, les écritures là, c'est moi qui a réalisé ça avec le drapeau chinois et le drapeau de notre pays. Donc tu vois, ça c'est des travaux de déplacement. Tout ça là, c'est l'importance de comment former les lettres et découper. Donc tu vois, tous ces genres de trucs là, vous pouvez bel et bien le réaliser. Mais ça, c'est à travers les exercices que je vous montrerai là, comment former les lettres et découper. Voilà comment on les applique. Donc tu vois, le travail est très bien propre et puis il y a la satisfaction totale. Donc tu vois. Ça, c'est des... Bon, les suites de forage même qui nous ont été confiées, ça, c'était nombreux, gros. C'était dans des villages reculés. Bon, c'était plus de 5 forages comme ça, 5 sites. Et aussi, regardez très bien ça. Ouais, ça, c'est plaque de vente de viande frais. Poulet, poisson, ainsi de suite. Donc, tu vois. Donc, voyez bien. Donc, ce que je dis, tout ce que je fais, c'est comme étant exercice, voilà comment on les applique. Tu vois? Et une fois, même ça là, vous avez, une fois, quand je suis en train de travailler, je ne peux pas avoir le temps de plus pouvoir tout filmer comme ça, donc ainsi de suite. Donc, tu vois? Donc, le peu de temps que moi j'ai essayé, je dis, ah, aujourd'hui, je vais essayer de faire un peu de freelance comme ça. Peut-être, c'est mes amis qui me demandent souvent, ont besoin de voir ça. Et donc, tu vois? C'est comme ça. Et puis, parfois, j'utilise aussi des pochoirs et sur des dessins. Je peux dessiner et découper. Utiliser ces pochoirs-là pour appliquer le dessin sur la plaque. Donc, tu vois. Donc, tu vois. Bien sûr, j'applique aussi les pinceaux. Mais, parfois, je peux utiliser les pochoirs comme ça. Je découpe très bien et après, j'applique directement. Et ça aussi, c'est autre méthode, ça. Ça, c'était pour faire comprendre l'importance de comment former les lettres et découper. C'était pour vous montrer où on applique. Parce que pour certains, quand ils voient ça, ils se posent la question, oui, ah, comment appliquer ça? Bon, où appliquer ça? Donc, tu vois, donc peut-être ça, tu fais juste ça, par plaisir, donc tu vois, non, c'est pas ça. Il y a aussi ces domaines d'application, comment les appliquer, tu vois, les lettres là, les chiffres, les numéros, donc tu vois, les dessins aussi même, vous voyez non? Ça souvent, ça c'est des contrats, tu peux avoir à travers les jeux. Mais malgré tout ça, vous voyez non, j'ai des stagiaires aussi, je travaille avec des stagiaires, ils travaillent avec moi et aussi ils s'exercent, ça dit, ils se débrouillent pas mal, donc tu vois, aussi. Et il y a les bras de deux personnes ici en train de jointer les écritures. Donc ça, c'est des stagiaires. Mais eux aussi, ils se débrouillent pas mal dans le boulot. Donc, c'est un peu comme ça. Et donc, même si vous aussi vous évoluez là-dedans, vous devez aussi approcher aussi des gens. Savoir quoi, ils travaillent avec vous. Donc, tu vois.